Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma vie moderne. Je vous avais présenté dans mon ancienne vidéo des visites, comme vous pouvez le voir, le Lidl là et un hôpital avec son gratte-ciel. Je vous avais présenté ces deux choses principales. Je vais bien sûr continuer à présenter ce bâtiment, je pense. À part aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait de vidéo de visite, donc il y aura beaucoup à présenter. Que la visite commence. Le jour même que j'ai fait la vidéo, j'ai continué à faire, vous voyez, les appartements ici. Donc voilà, j'ai pas eu trop d'idées, donc j'ai fait un appartement tout simple ici, donc appartement sanctuaire. Bon. Je vais le dire, non. Et à côté, c'est un commerce. C'est... Vous allez pas me voir, c'est un magasin de chaussettes. De chaussures et de chaussettes. Je voulais faire un tabac, mais je veux plus envie. Fallait trouver un seul magasin et je l'ai trouvé. Ça se trouve pas partout. Donc c'est... Et à côté, c'est des parkings pour les commerces. Je savais pas quoi faire, je voulais pas mettre de maison, donc j'ai voulu mettre ça, des parkings. Voilà. Et du coup, j'ai réaménagé le derrière des cités de maisons modernes que vous voyez ici. Voilà. Fait le jour même que j'ai fait la vidéo, le quelque temps après. Alors après, bien sûr, j'ai continué en grande 22 jours. J'ai fait beaucoup de choses. Alors, j'ai fait les parkings souterrains de l'hôpital parce que bien sûr, il n'y avait aucun parking pour les visiteurs à part les ces parkings là. C'est pas pour les visiteurs, c'est les urgences. C'est un peu des parkings privés. Voilà. Et bien j'ai fait des parkings souterrains pour les visiter. C'est en fait que j'ai un panneau aussi pour que ça se repère. Parking de l'hôpital. Donc 1h, 2,50€, 2h, 4€ et 5h, 6€. Bon, ça c'est pour bonne idée. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment pas grand, hein, vous voyez. Vers la suite, je raconterai, il y a 60 de parkings. Et puis là-bas, il y a une entrée pour aller vers l'hôpital. Au lieu de faire tout le tour, là, direction l'hôpital. Voilà. C'est un petit hall pour se détendre. Et ici, c'est l'hôpital. Alors du coup, comme j'avais fait les parkings ici, comme j'ai mis des tapis avec des lampadaires en dessous, et ben les portes automatiques, elles se sont enlevées, je sais pas pourquoi, donc du coup j'ai enlevé les portes, et voilà, j'ai mis ça. Voilà. Alors dans mon ancienne vidéo, je devais vous dire combien mesurait le gratte-ciel. C'est pas vraiment un gratte-ciel, hein, parce qu'il mesure 59 mètres, précisément. J'avais oublié de vous le dire, alors là, je l'ai pas oublié. Il mesure 59 mètres de haut. Donc, voilà pour l'hôpital. J'ai totalement fini l'hôpital. Là, ça fait 15 jours que j'ai totalement, on va dire, oublié l'hôpital, car c'est un projet de fait. Et là, ce que j'ai fait la dernière, quasiment toute la semaine dernière, bah, c'est cette rue-là. Alors, on va commencer ici. Alors ici c'est une pharmacie, une parapharmacie. C'est la pharmacie de l'hôpital, au cas où on a besoin de médicaments en urgence. Voilà. Donc j'ai mis, voyez, des buissons verts, que ce soit original, au lieu de toujours mettre la même couleur verte. Donc voilà. À côté, ici, c'est un vétérinaire. Alors j'ai mis les initiales CII. Je veux dire centre d'information important pour les animaux. Bon, voilà, c'est un nom au hasard. Et à côté, ça, ce sont les mêmes appartements. C'est parfaitement les mêmes, extérieurement et intérieurement. Bon, sur l'intérieur, je vous ai dit, je ne l'aménage plus. Voilà. À côté, en face. C'est également des appartements, donc appartement 1 ici, pareil ici. Alors ici, je
finir comme ça parce qu'il y a un autre truc que je vais vous montrer après. C'est un plutôt un spa privé. Je l'ai un peu aménagé à l'intérieur, donc je vais vous le montrer. Alors oui, spa privé tarif 50 euros de l'heure, oui c'est extrêmement cher. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc bien sûr c'est aménagé, mais voilà, c'est pour monter à l'étage. Alors voilà ce que c'est un spa, donc une piscine. Mais c'est privé, donc ça veut dire que il n'y a qu'une famille qui peut venir par jour. Elle paye de l'heure. C'est une. C'est privé. Voilà, une transat, donc c'est pour 4 personnes maximum. Voilà ce que ça donne. Et à côté, vous l'avez pas dit, c'est un musée. Donc voilà. Le musée s'appelle le musée Guimos. Je pense que je vous l'avais dit dans les anciennes vidéos que j'allais faire un musée. Donc le voilà. Je l'ai fait en une journée. Ça m'a pris comme ça. J'avais envie de tout faire de la même journée. Vous voyez, il s'appelle en journal Guimos. Et ici, ce sont des tables pour manger. Parce qu'à l'intérieur, il y a un petit restaurant. Donc, et bien sûr, l'intérieur n'a pas été encore, n'est pas encore aménagé. Car je suis en train de faire quelque chose derrière que je vais vous montrer qui est en travaux. On s'est aménagé quand même, mais bon. Et vous voyez ici, c'est également un endroit du musée. Il faut passer par en dessous pour y aller. Voilà. Comme ça. Et voilà. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un travaux titanesque. Il me faudra au moins plus de temps que l'hôpital, je pense. Attention, vous allez voir ça tout de suite. C'est un gratte-ciel, un énorme gratte-ciel. Il mesure 100 mètres pile. Pile 100 mètres. Alors j'ai déjà commencé à faire les parkings, les aménagements au sol. Donc pour l'instant, j'ai compté une centaine de parkings, mais je vais encore en faire ici. C'est pas encore fait. Voilà. C'est un gratte-ciel hôtel coccide. J'ai bien assez, voyez ici. C'est coccide. C'est l'hôtel Ludos de coccide. Et puis autour, ça sera pas comme ça. Ça va être tout autour ici. Ça va être une piscine avec des transats autour. Parce que c'est un gratte-ciel hôtel 4 étoiles. Alors voyez, énormément de travaux. Parce que maintenant, là, bon, là, c'était facile de faire les parkings. Voilà les places, mais par contre, ça va être plus dur. Ah, plus dur. Il faudra être imaginatif parce que j'ai envie d'être imaginatif. Pas toujours faire des choses simples, vous voyez, carré, rectangulaire, c'est toujours le même. Alors, je vais voir comment je vais faire la forme. Normalement, pour la prochaine vidéo, ça risque encore d'être en travaux, mais ça sera bientôt fini. Et vous voyez, quand on rentre, c'est vraiment, vraiment tout petit. Vous voyez, mais c'est faux alors. Vraiment, vous voyez, ça fera que ça. Il y aura une échelle pour monter. Et quand on va monter, ce sera plus grand. Vous voyez, ça fera plus ça. On ne déménage pas l'intérieur des bâtiments. Donc voilà. Donc vous voyez, en 20 jours, j'ai quand même fait beaucoup de choses. Et dans la prochaine vidéo, ce que je vais vous montrer, c'est la suite de l'aménagement ce gratte-ciel. Et en même temps, l'évolution de ce gratte-ciel. L'évolution. Depuis le temps que j'ai fait. J'ai commencé ça sera normalement. Et puis oui, juste là, ça va être les parkings du musée. Parce que vous voyez, il n'y a pas de parking au musée. Donc ils seront là. Il y aura peut-être des parkings souterrains, je verrai. Et l'entrée du musée du coup. Il y a une entrée là-bas, c'est pour faire beau. Voilà. Pour sortir et manger. Et puis là, c'est on va dire l'entrée, vraiment l'entrée du musée. Donc voilà. Et puis ici, vous voyez, c'est une grande rue que je vous montrerai également vers la suite des vidéos. En face, ça va être des maisons, mais les mêmes maisons. J'aimerais pouvoir faire ici. Donc voilà pour cette longue vidéo, plus longue que d'habitude. Et vous voyez qu'ici, c'est les trams. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de vidéos et abonnez-vous également à ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, bye bye.